How with some boy I keep up. I move from lane to lane and I skip up. Yo, some of them switch up. Get stitch up and bitch up to get rich up. All type of crazy and call them guy each up. Here, here, ain't she? How with some boy I skip up. Well, gangs are not gonna leave, fist here clean. We not do that something there. No boy can pull me jeans. We not do that something there. Straight like a arrow and that's how we are gonna stay. But man, not do that something there. The killer, you know, beg people things. We not do that something there. No boy can touch me skin. We not do that something there. No fitness for me, no go a gym. Yeah, man. But man, not do that something there. Big up a loop past the gate straight. Cause enough of them bust up for rape. Enough of them rich and can't sit down straight. So no boy, me no rate. Cause them name from the tape. Fist here now you late. I can declare my own coming. Work in mine, and no funny man thing me join. For some of them boy, your things stop at 69. Fist here clean, them a sip the wine. We no go lean, fist here clean. We no do that something there. No boy can pull me jeans. We no do that something there. Straight like a arrow, and that's how we a go say. But man, no do that something there. The killer, you no beg people things. We no do that something there. No boy can touch me skin. We no do that something there. No fitness for me, no go a chin. Yeah, man. But man, no do that something there. So me come me pants straight. That's why me live straight. Nothing bout me, no feminine coming, no. Je suis Fanny de Sainte-Marie, donc j'ai l'habitude de faire les soirées de Michael Letton. Donc pour moi, c'était normal d'être ici ce soir. Super cadre par rapport au thème, donc j'espère passer une superbe soirée. Oui, ben c'est Eric de Grand-Rivière, venu en canoë-kayak jusqu'ici. J'ai commencé depuis hier, pagayé, avec mon ami Jean-Marc. On a trouvé de la bonne bouffe, on a trouvé des amis sympas, on a trouvé l'accompagnement. La crasse, comme on dit. Crasse là. Et il y a tous les animaux. C'est la première fois et c'est très beau. Il faut remettre ça. Il y a tous les animaux du monde. Ça, c'est un sacré animal. Ah! Bonsoir. Je m'appelle Talia, dresseuse d'animaux sauvages. Et je vous présente un spécimen très rare que j'ai découvert à Basse-Pointe. C'est un Homo erectus sapiens. Il est très, très, très dangereux. Il est actuellement en phase de dressage. Faites très très attention, ne vous approchez pas trop de lui. Mais alors, Christian, habitué des soirées, hein? Alors, ce soir, le thème, c'est les animaux du monde. On dit que l'homme vient de l'animal. Mais je ne suis pas un animal, je suis le chasseur de ces bêtes. D'ailleurs, je ne chasse que les femelles. Voilà ma première chasse, une belle pandate. C'est pas un panda, mais une pandate. Et puis ma tigresse. Mais maintenant, les chats, je ne les veux pas. Les chattes, oui, je vais leur tirer dessus. D'ailleurs, si elles ne meurent pas, je serai obligé de les lécher. Alors ce soir on change le thème, enfin le thème il est nickel, ok, il n'y a pas de souci. À part que je l'ai pris en mode lapine pour bien entrer dans le nid, voilà. Et puis je pense que on peut accoupler les animaux, tout animaux un peu mélangé, c'est le bon. Donc soirée à Ibon, tout thème l'en bon, le vrai. Je
Monsieur Rodrigue, l'un des organisateurs de la soirée, puisque nous faisons cette soirée avec Michael Eton, Fefe Alexandre, Daniel Wanekouraï. On a choisi ce lieu parce qu'il correspond au thème qu'on a choisi, c'est-à-dire les animaux du monde. Et en ce moment, aujourd'hui, nous sommes dans une ferme. Une ferme de 4000 m² avec une piste de danse de 300 m². Donc, le truc original, c'est que nous sommes en pleine nature. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de toit. Et puis voilà. Et puis le temps est beau, le ciel est bleu. Et on s'amuse bien. En fait, moi, je suis en marsupilamie avec mes petites taches. J'ai fait un mix des deux, hein, en fait. J'ai pris le noir, j'ai pris le jaune, c'est parfait. Le cadre, ben, c'est génial parce qu'enfin, quelqu'un qui fait un effort et qui décore, en fait, parce qu'on se fond dans la masse. Et oui, s'il y a une deuxième édition, j'y serai. Allez, ouba, ouba! We'll be right back.
ce soir, on est à la soirée Les Animaux du Monde et c'est vraiment génial. On vient d'avoir le groupe Tout Venant qui nous a fait une prestation géniale. Vraiment, on a fini le feu, on est chaud, on attend la suite. Vraiment, il n'y a rien à dire, tout se passe bien. On est à Bois Rouge et c'est la fête. Alors bon, Les Animaux du Monde, on est à la ferme et on va vraiment se mettre bien. C'est la fête. Bon, le lendemain de la soirée, je suis encore fatigué, j'ai pas encore dormi et puis faut que je fasse vite, il y a la parade du sud tout à l'heure, je sais pas comment je vais faire, mais bon. Alors, je voulais que vous voyiez à peu près le site au quotidien. Bon, malheureusement, il y a encore les chapiteaux et la grande structure. Je vais aimer vous le faire voir à nu, que vous ayez vraiment une idée. Comme vous pouvez constater, il y a des poules, des canards. Plus loin, il y a des moutons, des cochons, parce que c'était une ferme, en fait. Ça a été un pari fou de se coller au plus près du thème. Une logistique très particulière, très fatigante. Un aménagement qui a duré, on va dire, une dizaine de jours, contrairement à une soirée normale, parce qu'il fallait tout faire, tout mettre en œuvre. Un, pour la sécurité des gens. Deux, pour que le site soit complètement exploitable, parce qu'à la base, c'est pas un lieu de soirée. Et ça, le pari, je pense, j'espère en tout cas, on verra à travers les images qui ont soit précédé, enfin je ne sais pas dans quel ordre tu vas mettre cette interview, mais en tout cas, j'espère que les gens verront tout le travail qui a été fait.
Bon bilan de la soirée en tout cas, on va dire 99% des gens dans le thème. Donc il n'y a pas de site qui fera l'unanimité de toute façon, on est bien d'accord. Je sais que certaines personnes se sont plaintes d'avoir des talons et de ne pas pouvoir s'amuser convenablement à cause des talons. Mais il fallait être original sur le coup, le thème c'était les animaux du monde. Donc il fallait qu'on soit dans la nature, on a beaucoup cherché, ça a été très compliqué. Mais je pense qu'en tout cas qu'on était en adéquation avec le thème et c'était ce qui nous importait. Et puis en ce qui me concerne, je trouve parfois dommage en Martinique qu'on ait à s'enfermer dans une salle ou dans certains lieux quand on a la chance d'avoir une île aussi belle et de pouvoir jouir de la nature. Donc ce pari a été tenu sans incident, rien à signaler, très 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 belle clientèle, je tiens à le dire, très très belle clientèle, des gens respectueux et courtois. Et un clin d'œil à la sécurité parce qu'on ne le fait pas souvent. Souvent, Martinique, tout le monde critique la sécurité. Mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Donc voilà, je remercie en tout cas tous ceux qui nous suivent depuis 3 dimanches gras, Daniel, Rodrigue, Fefe et moi. Satisfait, Marin Marines étaient dans le thème, Police Academy étaient dans le thème, et à chaque fois c'est la même chose. Il y a des gens qui n'aimaient pas la pagerie, d'autres qui n'aiment pas la reprise, d'autres qui vont dire « Ah non, était dans une ferme, on n'a pas aimé ». Mais on est en Martinique et je peux vous dire qu'il n'y a plus de salle, il n'y a plus rien du tout. Et trouver des autorisations, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, soit on laisse mouiller la Martinique, ou soit on se dit « Bon, on vient passer un moment, on se met dans le thème, on les suit, on leur fait confiance ». On va sur la piste de danse, on s'amuse, on s'éclate. Chers amis, bon repos pour ceux qui regarderont cette vidéo après le carnaval. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.